à faire pochard la version de Baulay. Nouveau rebond dans l'affaire du terrain Pochard ayant été saisi par le gouvernement malagasy aux fins d'utilité publique. Cette affaire ne concerne en aucune manière Baulay, régulièrement cité par l'association Ara Malagasy Mireille ou AMM. C'est insurgé Maître Rakoutou Ranevoumanen, avocat du groupe Baulay, qui a tenu à apporter quelques éclaircissements. L'avocat a expliqué que l'opérateur chinois n'a pas acheté le terrain controversé, contrairement aux affirmations de l'association en question. Le terrain fait en réalité l'objet d'un contrat de bail emphytéotique entre son client et l'État. Revenons sur la déclaration de l'association AMM qui revendique la propriété du terrain en question. Maître Rakoutou Ranevoumanen a précisé avec documents à l'appui qu'il y a eu escroquerie. Selon le juriste, l'association a été officiellement déclarée en 2012. Or, elle a été déclarée avoir procédé à la mise en valeur du terrain depuis 1994. Il y a une contradiction dans leur déclaration. D'autres documents provenant de la CIUA stipulent que le terrain leur a été prêté de façon temporaire et qu'il devrait être restitué à son propriétaire au moment voulu. La justice ayant déjà tranché, la MM devra en conséquence se soumettre aux dispositions juridiques en vigueur.